Réunion, c'est une compétition qui réunit des danseurs dans toutes sortes de disciplines. La meilleure exposition de cette diversité, c'est les battles. Des affrontements improvisés entre des danseurs aux talents multiples et à l'énergie sans pareil. Dans la compétition Réunion, il y a différentes parties. En fait, la plupart des compétitions typiques, je veux dire, c'est des compétitions de type chorégraphique. Donc, on travaille sur une choré, on la peaufine, on améliore sa technique l'idée générale qu'on veut présenter avec cette chorégraphie. Et c'est ce qu'on présente sur scène. Ça, c'est un monde de la danse. Il existe plusieurs mondes, mais un autre grand monde, c'est le monde des battles, ou le monde où on danse plus en improvisation, en respectant évidemment les origines et les règles de base de chacun des styles de danse. Est-ce que ça va bien? Good, good, good. Je me présente encore une fois, c'est Seven Star. J'ai été un des juges et également animateur hier pour notre Battle Reunion. Et on a eu beaucoup de plaisir hier. C'est quoi un battle? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un battle, c'est des duels entre danseurs. On a des danseurs qui arrivent dans différentes catégories, différents styles, et on leur demande d'improviser et d'avoir un échange l'un envers l'autre, quelle que soit la musique qui est jouée par notre DJ. Donc on avait DJ Ridley hier qui a fait jouer toutes sortes de musiques. On avait différentes catégories, on avait 6 catégories différentes, et les personnes que vous allez voir ce soir sont les gagnants de chaque catégorie. Donc on avait une catégorie hip-hop, une catégorie popping, une catégorie de break, une catégorie de all-star, donc multi-style, contemporain, et également une catégorie de whack-in. Maintenant, il y en a qui écoutent, qui entendent ces noms-là, puis se disent c'est quoi tout ça, c'est quoi toutes ces catégories-là? Bien, sachez que la plupart des chorégraphies que vous avez vues durant toute la compétition incluent des techniques et des éléments de tous ces styles-là. All right? Donc, ce que vous allez voir ce soir, c'est nos danseurs qui vont s'affronter. Et on vous demande de faire du bruit, de les encourager, de leur donner de l'énergie, parce que je sais qu'ils sont stressés, je sais qu'ils sont nerveux. Et là, ça va être des styles différents qui vont s'affronter, all right? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, juste avant de commencer, je vais aller voir nos danseurs, puis ils vont leur demander. Là, je vous demande le spot. Il n'y a rien qui était scripté de tout ça, OK? Fait que eux autres sont super nerveux quand je m'approche d'eux autres. Je veux que tu me donnes ton nom, ton style. Comment tu te sens maintenant? Es-tu prête? Let's go! Gabrielle, contemporain, puis je me sens super bien. Let's go! Donc, c'est Gabi! Présente-toi, mon boy. Je m'appelle Oi, a.k.a. Grim. Je suis un spécialiste de popping. Let's go! Let's go! My man, the one and only. Afternoon, hip-hop. Je suis relax. Yeah, il relax. Il est habitué, c'est un adepte, c'est un adepte. Dis-moi ton nom. Adeline Cruz, je suis 7 ans et je suis dans le hardstyle. All right. Yeah. Donc, on va vous présenter les juges. Go ahead. Hi, I'm Kira Jean Green. Yeah. Notre juge numéro 1, juge numéro 2. Lazy Leg. Let's go. Et dans le cas où il y a justement une égalité entre les danseurs, j'aurai la responsabilité de trancher et de décider le vainqueur du battle. All right? Et évidemment, on ne peut pas avoir de battle sans avoir de DJ. Donc, on a notre DJ ici. Présente-toi, mon ami. Mr. DJ Ridley in the place. Make some noise, guys. Un peu de support, man. Exactement. Donc, ils vont avoir une ronde de 45 secondes pour commencer. Excusez-moi, deux rondes de 45 secondes, chaque danseur. Et ensuite,
les juges vont décider qui vont être les top 2 danseurs qui vont se ramasser en finale pour le duel final. Et encore là, ça va être un autre 2 rounds de 45 secondes. Maintenant, lorsqu'on fait des battles, je vous dis tout de suite, dans la culture de street dance, c'est important que vous fassiez du bruit, c'est important que vous supportiez. Attendez pas de voir un gros move, power move pour faire du bruit. On veut vraiment que vous encouragez nos danseurs. Est-ce que vous êtes prêts? All right. Vous pouvez vous rapprocher. You can come closer just to create a vibe. Even if you're on the side, you can come closer. All right. Si vous êtes sur le côté, gênez-vous pas pour venir sur le stage et créer une atmosphère sur le stage. Donc, DJ Ridley, you ready? Danseurs, vous êtes prêts? Les juges, vous êtes prêts? Let's get it. Two rounds. 45 seconds, two rounds. Let's go. Let's get it. On va commencer avec Gab. Let's go! Sous moi, y'a du monde ici, poudré comme des geisha. Prends tes poignets, c'est un de pop qui le pompe le ketchup. Zéro discrimination, on s'en va faire un job. Genre de mentalité, maman, se window in the bank, connaît ça. Single ladies, pas gêné, ce front qui sort les mèches. En fait, les grains confortables, les fils légales, la musique en touchant. Blow up, ça c'est dans le cerveau, si tu sais pas. Hell oui, on fait du bruit en moi, pas comme un super. Comme que tu voudras n'importe où, pis n'importe quand. Tant qu'il y a des paysans, on paye le ketchup. Danse la belette femelle. V'là un boogie, on se fait relation mal femelle. À la fin de la journée, tout le monde veut une créature magique avec une bonne langue, 5 sort pis un booty en aide. Joyeux matin, good night. Des fruits pis du café. Et n'a j'fais un parfait boutique, mais on est pas. Ce que nous, c'est pas qu'on est nonchalant. On garde sa flèche dans le show, tchala. Ce que nous, c'est pas qu'on est nonchalant. On garde sa flèche dans le show, tchala. Just lâche ce lot sur un bouillon. Écoute le pas de joint, y'est tout, y'est rough, hein. Direct de croix, back, cat, devant L, hein. Beat market, we splash it forever, hein. Slang cap, on est blood, nice and loose, hein. I feel like tight, select, comme un winger, hein. J'en entends dire que c'est pas mon comme avant. Les petits, je peux vivre, ma harmonie, yeah. Go! Je me rappelle quand j'étais en 80, cette direction de l'or est tout ça, 87, direction all. 3, 2, 1, sweet! Tu peux pas aimer si sweet dans gros sport. I don't want to Washington DC, puis Boston. Mexico, fais la danse de weed smoker. Qui se coupe son sac à mon poste, c'est un custom. Là, je te merci pour le bon enfant, c'est essayer. Oh, puis à maman, puis papa pour le nid, yeah. Quand je back on, quand j'étais à deux, j'oubliais. C'est pas les gens et non, c'est les women qui payent le rein. Ouh, j'en deux, sweet, on fait des efforts, mind so big, you can see it from behind. Long jeu, jamais feeling their backs on the eye. Niggas DC, beat my leader. Y'a du monde ici, poudré comme des geishas. Prends tes poignets, c'est une de pop qui le pompe le ketchup. Zéro discrimination, on s'en va faire un bel job. Genre de mentalité, maman, on se window with a bank, connaît ça. Single ladies, pas gêné, ce fond qui sort de la mèche. En fait, les grains confort en touchant. Blow up, ça c'est dans le cerveau, si tu sais pas. Hey oui, on fait du bruit en montant comme un super. Comme que tu voudras n'importe où, pis n'importe quand. Tant qu'il y a des paysans, on paye le picture. Danse la belette femelle. V'là un boogie, on suit les relations mâles femelles. À la fin de la journée, tout le monde veut une créature magique avec une bonne langue, 5 sœurs pis un booty honnête. Joyeux matin, good night. Des fruits pis du café. Et n'achevez un parfait boutique où y'en on est pas. Round numéro 2. Let's go. We'll be right back.
switch. Vous avez aimé ça? Vous avez apprécié? Right. Donc, c'est important de vous rappeler que lorsqu'on parle de hip-hop, lorsqu'on parle de street dance, lorsqu'on parle de cette culture qui vient des États-Unis, la plupart des styles que vous voyez là sont issus de la communauté noire américaine, que ce soit le break, que ce soit le whacking, que ce soit le popping. Différentes régions aux États-Unis où est-ce que ces styles de danse-là ont pris forme, c'est ces éléments-là qu'on vient de voir, OK? On a des danseurs qui se spécialisent dans un seul truc, on en a d'autres qui aiment mélanger les deux. Chaque approche est bonne. At the end of the day, tout est une question d'expression, tout est une question aussi de connaître ses bases, de connaître sa fondation. Ça, c'est un des critères aussi qu'on a utilisé en tant que juge lorsqu'on a regardé les chorégraphies. Okay? On a vu beaucoup d'éléments de ces styles-là, différents styles qui ont été utilisés, et ça a été un de nos critères. Donc, je vous invite à faire des recherches. On est en 2022, on a accès à YouTube, on a accès à Google, on a accès à tout ça. Faites vos recherches, allez vous intéresser à la culture, ça va plus loin que le mouvement. Puis je suis vraiment content que Yann nous permette d'avoir cette discussion-là, parce que je pense que c'est le but de l'événement aussi, c'est de montrer qu'il y a plus que du mouvement, il y a de la culture, on s'élève, on s'éduque et on partage ensemble. Merci beaucoup tout le monde. PM, Gabby, vous ramassez en finale. Est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Est-ce que vous êtes prêts pour une finale? Encore une fois, ça va être deux rounds. Vous avez un maximum de une minute par round. Deux rounds pour la finale. C'est pas moi qui va dire qui commence. Donc vous devez vous arranger comme des grands. All right? Savoir qui commence. OK? Donc DJ Ridley, t'es prêt? Let's go!
Faites du bruit pour nos danseurs! Gab, est-ce que c'est possible pour toi de venir ici? Oui, merci beaucoup. Écoutez, encore une fois, je peux vous dire que c'est rare, ou je dirais même que c'est la première fois que je viens dans une compétition de danse chorégraphique et qu'il y a une section qui est dédiée au battle comme ça. All right? Je dis pas que ça a jamais été fait, mais personnellement, moi, en 16 ans de carrière, je ne l'ai pas expérimenté. Et je veux encore une fois donner un gros shout-out à Yann d'avoir donné cette chance-là qu'on puisse venir partager avec vous. J'ai des personnes qui sont venues me voir hier qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils venaient à un battle, qu'ils voyaient ça, puis qu'ils trouvaient ça écœurant, que ça les a permis à être encore plus curieux sur ce que leurs jeunes font, okay? Puis des styles qu'ils pratiquent, puis la culture dans laquelle ils sont impliqués. Donc, encore une fois, tous ceux qui sont ici, qui ont donné de l'énergie, merci beaucoup. All right? C'est le moment de vérité. Le moment de vérité. Est-ce que vous avez choisi? OK, so you want to come and pick the winner, both of you? Sure. I just wanted to make it dramatic. I like it when it's more dramatic, but as long as it's dramatic. All right? OK. Donc, yeah, come. OK, so, on va faire un compte à rebours. J'aimerais ça si vous avez vos pieds, si vous pouvez frapper dans le sol, on va faire. All right. Tout le monde ensemble, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Tanya! Pia is the winner! Make some noise! Faites du bruit pour Kevin! Yeah! Music? You want to put it down? Adeline? Where's Adeline? Adeline? Oh, he wants to say something. Okay. All right. Donc, PM est notre grand gagnant afternoon. Oh oui, il veut qu'on fasse du bruit pour cette Adeline. Yes. She's the MVP. Vous avez vu nous autres comme que PM a fait dans son barreau, il a fait un move comme ça, là, on va se commencer à avoir dans le dos. Quand on voit la nouvelle génération comme ça qui s'implique à 100%, ça nous fait plaisir, ça nous fait savoir qu'il y a une relève. Okay? Donc tous les jeunes qui sont ici, okay, c'est un exemple que vous pouvez même compétitionner avec les big dogs, avec les plus vieux. Okay? On peut prendre notre retraite. Non, je peux prendre ma retraite, pas toi. All right? She's crumping, she's a crumper. Shout out. All right? Donc on vous remercie beaucoup tout le monde, c'est notre portion battle. Yeah. On prend une photo. On va seulement prendre le temps de faire une petite photo. Oui, s'il vous plaît. Donc, Afternoon part avec un prix de 300$, une badge et un petit souvenir. Merci à tout le monde qui sont venus au battle. Merci infiniment. Make some noise! That type of energy, man. Keep it up. Whatever you're doing, keep it up, man. You're great. Il y a beaucoup de personnes ce soir que j'ai vues qui n'ont pas nécessairement passé des rondes, qui ont perdu un battle ou quoi que ce soit. Ne laissez pas ce genre de trucs-là vous rabaisser ou whatever. Prenez-le comme une expérience pour pouvoir build up et pousser encore plus loin. Okay? Je sais que ça peut être décevant quand on perd un battle, mais sachez que c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. Right? Dans la défaite qu'on apprend le plus de trucs. Moi, ça fait 16 ans que je battle et je peux vous dire que 80% de mes battles, je les ai perdus. Right? Ça m'enlève absolument rien à mon travail, au contraire, ça me rend plus fort à chaque fois. Donc, je vous encourage les jeunes, prenez les ballots comme une expérience pour comprendre mieux la culture, numéro un, super important, parce que c'est pas juste une question d'arriver dans le cercle, faire des run-over. There's more to it. Continuez à rechercher c'est quoi le hip-hop, c'est quoi le break, c'est quoi le popping, c'est quoi le whacking, c'est quoi le crump. Il y a toute une culture qui est une essence qui est liée à ça. Puis ensuite, quand vous comprenez, vous allez voir que ça va être une manière pour vous de mieux comprendre votre danse et de vous améliorer, right? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, j'ai juste... Kiki veut rajouter quelque chose. Je voulais juste congratulate all the dancers who dance tonight. So, on peut applaudir pour ça. En gros, merci encore à The Reason, à Yannick de m'avoir invité, à tous les juges. Mais je voulais juste dire que c'est vraiment important le freestyle, guys. Le freestyle, c'est vraiment la base de votre corps. C'est qu'est-ce qui va vous permettre de pousser plus fort, plus...
énergique. Et des fois, on a peur. Tu sais, quand il y a un cypher, on a peur. On est comme, pourquoi je ne veux pas danser? Mais honnêtement, guys, c'est vraiment ça qui va vous pousser et qui va pousser votre danse. Donc, je vous encourage vraiment, surtout les studios, do some freestyle. It's really going to help you guys. Pour un move que vous voyez sur ces stages-là qui viennent pas de cette culture-là, right? Qui viennent pas du street. Everything you see, those choreos, they come from freestyle, they come from that essence. So you have to understand, il faut comprendre le freestyle. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je sais qu'il y en a ici qui sont toujours habitués, tout dépendamment de comment, de quel milieu, dans quel milieu vous êtes. Il y en a beaucoup qui sont dans les milieux du studio qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'interagir avec le freestyle, avec les battles. Donc, je pense que c'est une belle initiative d'avoir cette portion-là à l'événement, donner la chance aux gens d'expérimenter ça, de voir de quoi ça a l'air. OK, donc merci beaucoup, Yann. On donne un gros shout-out à Yann qui est là. Yann. Je pense que the biggest shout-out should be to Seven Star for hosting this event. Amazing move. C'est pas mal de mieux. Un par un, que ce soit moi, que ce soit avec Mike Lee, que ce soit avec Kiki, pour nous demander « Hey, je veux faire ça, mais je veux le faire comme il faut. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Qui je devrais inviter? » Tout ça, donc d'avoir pris le temps de parler avec les gens de la communauté et de « reach out » pour essayer de faire ça du mieux qu'ils pouvaient. Donc c'est un gros shout-out, c'est une première édition. Et longue vie, un battle reunion. On va le faire l'année prochaine, right?